Bonjour à tous, c'est GLG, je vous souhaite la bienvenue pour une petite zap de l'IT High Tech du aujourd'hui 25 septembre. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit résumé des news high tech en provenance d'Asie depuis mon site qui s'appelle jtgeek.com. Tac, allez, oui, je me marre, parce que vous saurez à la fin, grosse galère de caméra, mise à jour de Catalina et tout. Donc, j'ai essayé de charger un truc, on verra si ça fonctionne, mais en théorie, il ne doit pas y avoir trop de problèmes. Allez, comme on, à chaque début d'édition, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés, ou qui se sont abonnés peut-être à GLG Vidéo. Bienvenue dans la famille, encore une fois, une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent des pouces en l'air pendant l'émission. Et encore une fois, si l'émission perdurera octobre, novembre, décembre, comme ça, c'est grâce à vous, à votre soutien, à tous ceux qui regardent ça à chaque émission et ceux qui mettent des pouces en l'air, encore une fois, merci beaucoup. On a dépassé les 150 pouces en l'air pour la dernière émission. Merci beaucoup à vous. Et enfin, cette émission est la seule émission du web qui est auto-financée par sa communauté. Vous pouvez me soutenir dans mon aventure et puis dans tout ça en faisant un petit super chat pendant que l'émission est diffusée en première sur YouTube le mardi et le vendredi. Alors au mois d'octobre, peut-être que le vendredi, peut-être plus, on verra en fonction des objectifs. Et enfin, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Et ben vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Alors, les cafés sur Tipeee, on remercie également Fabien Doc. Merci beaucoup. On remerciera également Christian. Merci beaucoup. Et enfin, Zolki Official, voilà, qui sont ben, en fait nos tipeurs pour financer cette émission. Donc merci à eux. Cette émission, voilà, grâce à eux, c'est tout. Allez, on commence tout de suite les news. Avec la première news, j'ai fait un message sur Tipeee en expliquant un petit peu ce qui va y arriver pour le mois d'octobre. Donc du coup, au mois d'octobre, on garde au moins, même si on n'a pas atteint le troisième palier Tipeee, c'est pas grave, on garde quand même un live tous les vendredis. Il y aura peut-être plus le mardi et peut-être que le vendredi. On verra, sauf si on atteint le palier incroyable et tout, mais... Ça paraît un peu compliqué, mais on n'est jamais à l'abri d'un miracle. On aura également deux lives privés le dimanche. Donc un dimanche sur deux, il y aura un live privé également uniquement pour les tipeurs. Et il y aura également un nouveau rendez-vous qui sera tous les mercredis uniquement pour les tipeurs. Voilà, c'est vraiment pour vous motiver pour être tipeur. Je rappelle, être tipeur, c'est 1 euro par mois. À partir d'un euro par mois, vous pouvez mettre plus. Hein. Mais c'est 1 euro, vous êtes tranquille pendant tout le mois, vous avez accès à tout. Que vous mettiez 1 euro ou 200 euros, vous avez le même accès que tout le monde. Ça dépend vraiment de votre budget. Si vous n'avez pas 1 euro, bah tant pis, ne le faites pas. Donc du coup, il y aura un format tous les mercredis qui sera un petit peu un melting pot. On en parle dedans. Donc du coup, on pourra reparler de la Thaïlande le mercredi puisque du coup, ce sera en privé. Donc il n'y aura pas de public, nanana. On pourra parler un peu des news personnelles, des produits que j'ai reçus, des produits que je vais faire et tout. Voilà, ça sera le petit rendez-vous du mercredi. Tous les mercredis, ça commence du coup mercredi prochain. Pour finir le mois. Et donc, du coup, voilà, ça sera un peu les rendez-vous qui seront dédiés aux tipeurs, puisque vous êtes quand même de plus en plus nombreux à me soutenir. Et rien que pour vous, je me dois de continuer le zap et je me dois de vous proposer un petit contenu spécifique en plus de deux lives pour le mois d'octobre. Peut-être plus, on verra. Si on atteint les paliers, je vous tiendrai au courant dans Tipeee. Apparemment, vous recevez les news, c'est déjà bien. Allez, dans les news du jour, on parlera bien évidemment des nouveaux Realme Narzo 20, 20A et 20 Pro, des téléphones qui sont uniquement destinés à l'Inde. Je rappelle, les marques comme Realme et Poco sont vachement développées en Inde et ils ont leur propre petit business là-bas. Donc, trois nouveaux téléphones qui sont dans la continuité des téléphones Realme. Hein. Alors, on y perd un peu, je vous en parle parce que c'est de la news, mais on y perd un peu son latin. Ça veut dire que tous les téléphones sont un petit peu pareils, et avec les mêmes configurations et tout. Forcément, c'est destiné un petit peu à l'Inde. Donc, le 20A, il est pas cher. Hein. Par exemple, on prend, il fait 3 plus 32, ne fait que 116$. La version 4, on va directement taper dans les versions un peu plus haut de gamme. Mais même la version Pro, le Narzo 20 Pro, avec 6 plus 128, ne fait que 200$. Encore une fois, c'est aussi un petit peu adapté au marché indien. Donc c'est normal que déjà vous ne les voyez pas. Et ensuite, que les téléphones sont dans la continuité de ce que tu peux déjà trouver un petit peu en Europe ou en Europe en même temps. Parce que vous pouvez commander aussi en Asie, mais aucun intérêt pour vous. Vous les avez directement chez vous. TTC sera un petit peu plus cher, mais c'est la même chose. Allez, on parlera de Shui. Shui qui nous revient avec une U-Book. Alors, il y a eu une grosse gamme de U-Book. Alors maintenant, c'est le U-Book X. Voilà, la version interdite aux moins de 18 ans. Ou pas. Une tablette Windows de 12 pouces avec un écran 2K. Bien évidemment, il y a un clavier amovible, on est dans la tendance un peu Microsoft et tout. Un processeur Intel Gemini, de la RAM, de la ROM. Elle n'est pas vilaine en fait cette tablette. Hein. Bon après, son N4100, on est d'accord que c'est de la bureautique et de l'internet. Hein. Ne visez pas beaucoup plus que ça, pas de faire de montage et tout. Mais ça fait une tablette qui est
qui a l'air plutôt quali. Encore une fois, il faudra la voir si elle est vraiment en aluminium, comme ils promettent, ou au moins en métal. La configuration est tout à fait honorable. Le prix n'est pas excessif parce qu'elle est en dessous des 500 euros, 400 et quelques, je crois, de mémoire. Je vous laisserai aller voir. C'est le genre de produit qui peut vous intéresser. Voilà, à savoir que Microsoft, on en a parlé dans une dernière news, va également sortir des alternatives. Mais voilà, ça permet de. Bon, UAMI dévoile les nouvelles Amazfit GTR 2 et GTS 2. Alors, comme on ne s'y attendait pas, bon, la GTR 2, c'est simplement une évolution de la GTR. Hein. Alors, on apporte les nouveaux capteurs qui sont ultra tendance, les capteurs qui sont ultra tendance, comme le SPO2 et pas mal de fonctions qui ne sont pas totalement nécessaires, mais c'est surtout ça. Hein, c'est vraiment le SPO2, des meilleurs capteurs et tout. On est sur de l'évolution. Le GPS, le GLONASS et tout bien. Et on parlera forcément de la GTS 2. Qui, du coup, reste carrée. Hein. Elle devait être ronde, apparemment, mais non, en tout compte fait, elle restera carrée dans un design qui est très, très similaire. Moi, j'avais beaucoup aimé la GTS 2, hein, au niveau du cadran, au niveau des fonctionnalités et tout. Et puis, évidemment, l'appareil, hein, on garde mon écran AMOLED. On prend, bien évidemment, les nouveaux capteurs qu'on a sur la GTR 2, hein, simplement, à mon avis. Vous allez avoir quasiment les mêmes montres, hein, avec un restylage simplement du design. Bon, par contre, au niveau du prix, moi, la seule qui m'intéresserait, ça serait la GTS 2. Elle fait quand même 1000 RMB. C'est pas donné. 1000 RMB, ça fait du 150 balles, hein, hors taxe, en Chine et tout. On commence à avoir un petit peu de concurrence, hein, dans ces prix-là et tout. Alors, est-ce que vous allez vous ruer dessus parce que c'est la nouvelle version, c'est la 2000. Voilà, on voit la 999, ça fait 150$. Donc, ça doit faire du 120, 130 euros. Ah oui, 127 euros, puisque je l'ai fait pour le téléphone. Donc, 127 euros, c'est un bon prix. Oui, mais on verra que du coup, maintenant, dans cette gamme-là, il y a la Huawei. On continue, tiens, vite fait avec les news de Amazfit, puisque Amazfit va bien commercialiser la Amazfit X, qui était en projet Indiegogo. Alors, elle était assez intéressante en projet Indiegogo, parce qu'elle ne valait que 150$ pour financer la montre. Bon, là, évidemment, le prix de lancement sera un peu plus salé, puisque elle sera directement à 2000 yuan. C'est-à-dire hors taxe en Chine, soit pas loin de 300$, soit un peu plus de 250 euros. Bon, la montre, elle est jolie, d'accord, mais 300 balles, voilà. Donc, soit ça sera un produit technologique qu'on aimerait bien avoir. Dans la même gamme, il y avait la Nubia. Le peu de review que j'ai vu des Américains qui avaient testé la Nubia, au moins dans les prototypes, dans les projets, on dit que c'était quand même relativement pas assez abouti au niveau du software et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Là, la Amazfit sera plus commercialisée. Il est clair qu'à 300 balles, on va commencer à réfléchir. Hein, ou 250 euros hors taxe en import. Moi, personnellement, je n'ai besoin envie moyen. Besoin non. Envie, oui, pourquoi pas. Toi, voilà, pour un cadeau de Noël. Et les moyens, 250 balles, non, ça reste qu'une montre, quoi. Après, elle est jolie, on est d'accord. Bon, allez, revenons un petit peu sur Huawei. Huawei va proposer une édition Porsche Design de sa GT2. Pourquoi pas? Donc, la GT2, elle est déjà commercialisée. Ça, c'est bon. Et GT2 Pro, même. Et donc, il y a une version Porsche qui a déjà été reçue par certains gros YouTubeurs et tout. Donc, on a vite vu les fuites. Bon, pour vous dire un peu, la montre devrait présenter un design robuste fabriqué à partir de matériaux de première qualité, notamment un verre de montre en saphir, donc comme les montres un petit peu haut de gamme, donc là, ce qui justifiera peut-être un peu le prix, un boîtier en titane et un fond en céramique. Voilà. Après, tout le reste, c'est pareil. Hein. C'est vraiment, en fait, autant un téléphone, ils arrivent à restyler un peu un téléphone, autant une montre, voilà, à part changer les matériaux et de mettre vraiment des matériaux premium, bon, on en est là. Et puis le logo Porsche, bien évidemment, qui vaut, à mon avis, 30% du prix de la montre. Faudra voir comment ils vont la vendre, mais bon, pour moi, c'est non. Ça y est, toujours non. Des fois, je dis oui, hein. Je dis oui, par exemple, à la Huawei Watch Fit. Voilà, on l'a reçu un petit peu avant tout le monde. Les commandes vont commencer à partir de vendredi, je crois. Vous pouvez commander directement sur Amazon. La montre fait 130 euros avec des écouteurs Huawei AM61 qui doit être à peu près les mêmes que j'ai de la marque c'est Honor ou tout, mais c'est pareil, les mêmes. Un cadeau de 30 euros, donc du coup c'est 100 euros plus un cadeau de 30 balles. Donc ça fait une montre à 100 euros, presque le prix que vous pouvez l'acheter hors taxe en Asie à 110 balles. Et je vous rappelle que les produits en Europe sont garantis, enfin sont TTC déjà, et sont garantis 2 ans en Europe par Amazon. Alors qu'en Asie, ils ne sont garantis que 1 an et en Asie. Donc cette Huawei Watch Fit reprend un écran AMOLED et tout, et il est clair que tout de suite, quand on la met en comparaison, on peut dire ouais, ben c'est une GTS 2. Simplement, Huawei, on a la GTS 2 et chez Huawei, on a la Fit.
J'ai envie de te dire oui et non. Ayant eu déjà eu la GTS de première génération, la GTS 2 va être bien, et même si elle va apporter le SPO2 et des capteurs et tout, et des fonctions au niveau du sport, Huawei a quand même mis le paquet, hein. Au niveau du sport, il y a quand même 96 modes, plus des modes fitness et tout, plus le SPO2, le stress, une reconnexion avec l'application et tout. La montre est ultra chiadée et on voit qu'au niveau du sport et du fitness, ils sont allés plus loin que ce qu'on a pu voir déjà sur tous les Chinois, puisque déjà c'est Huawei, et ensuite c'est leur modèle sport fitness. Donc, si vous avez vu ma vidéo, bah, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, malheureux. Elle est vraiment, vraiment ultra complète. Elle fonctionne super bien, elle est jolie. L'autonomie, elle est vraiment d'enfer, puisque tout compte fait, oui, ça fait bien 5 jours que je l'ai rechargé, je suis toujours à 50%, donc on va tenir les 10 jours. Le GPS marche super bien, le tracking, les fonctions, l'allure et tout, voilà. Au niveau du sport, on a plein, plein, plein de fonctions, du stress, du SPO2 et tout, pas mal. À voir ce que va proposer EAMI, ton ami pour la vie. Tout compte fait, non, hein. EAMI va vous proposer, lui, pour ces modes-là et tout, mais généralement, les applications Amazfit sont pas mal, mais elles sont pas ultra complètes au niveau du sport. Alors peut-être qu'il y aura des évolutions et qu'on arrivera à quelque chose d'assez similaire. Mais bon, là, dans tous les cas, il faut voir combien vous allez pouvoir acheter la GTS 2 plutôt, en Europe. Mais là, à 130 balles la Huawei, c'est un prix d'enfer. Moi, je dirais cours Forest. Allez, on continue dans les news qui servent à rien. Un peu. Non, mais non, parce qu'on m'a vu sur Facebook. Alors, Xiaomi va proposer une nouvelle Mi TV Lux. Alors, ils ont proposé deux télés. Une télé immense de 65 pouces. 65 pouces la télé, mon pote, hein. Je peux te dire là, voilà, c'est quand même de la belle télé. Puis ensuite, une télé transparente qui était sur Dell LG, c'était une télé transparente. Enfin, une télé transparente en gros de production, mais c'est un truc qui valait 5 ou 10 000 balles, je crois, un truc comme ça. Et là, ils ont proposé une télé 8K. Et en plus, une télé 8K qui sera 5G. Puisque, bien évidemment, pour enquiller les contenus, soit tu as de la fibre de la mort, soit bien évidemment, tu auras de la 5G pour pouvoir avoir des contenus. Alors, le problème, c'est que des contenus, il n'y en a pas, même sur Netflix. Que même moi qui ai une télé QLED 4K, bah, je me rends compte que c'est bien la fête quand j'arrive à avoir des vidéos en 4K. Puisque même quand sur Netflix, il met qu'il y a des vidéos en 4K, généralement, à cause du flux, bah, je ne les reçois qu'en Full HD. Donc de là à parler de la 8K, je crois qu'il n'y a même pas de Blu-ray, il y a même pas, je crois qu'on même pas, on peut même pas télécharger. La fois j'ai essayé de télécharger un truc, ma télé elle arrivait même pas à le lire quoi, tellement qu'il y avait de débit et tout quoi. Donc est-ce que c'est bien? Oui, technologiquement ça fait avancer un peu le schmilblick. On aura un panneau mini LED, une télé qui devrait être sympa, pas excessivement chère par Xiaomi, mais on est vraiment sur de la, comment dire, de montrer qu'ils ont la technologie et qu'ils savent le faire. Après voilà, 8K, c'est tellement. Putain, je regarde, quand je regarde les trucs pourris que je regarde sur Internet avec les DivX et tout, je me dis, je suis même pas sûr d'être en HD des fois. Voilà, donc après, pourquoi pas? Peut-être pour Netflix, si Netflix passe en 8K et si jamais Netflix vient me livrer un câble jusque dans ma télé, parce que là, il va falloir que ça envoie du steak. Bon, et enfin, c'est presque officiel, Samsung va décliner une nouvelle gamme de Samsung Galaxy, la série F41. Donc, comme on peut le voir un petit peu dans la news, ça sera un petit peu un dérivé de ce qu'on avait vu sur le M31. Alors, il y avait le M31, là, on aura le F31. Forcément, la technologie, ils l'ont. Les caméras, ils les ont. Les écrans, ils les ont. Les processeurs, eux, ils les ont. Voilà, ils savent faire des téléphones. Donc, après, décliner des téléphones en disant, alors, sur cette gamme-là, on va plutôt mettre des caméras un peu moins, mais quand même une grosse batterie, et on va tirer le prix avec une série F. C'est quand même un petit peu un bordel atomique, puisque même la dernière fois quand je suis allé voir je voulais voir le M51, la meuf elle avait le A51 et j'avais pas capté. J'ai dit, mais c'est pas celui-là, il n'y a pas la bonne batterie et tout. Et après je regarde sur internet, non, il y a le A51, le M51 qui est presque pareil, mais le A il est mieux que le M parce que le M il est moins cher, mais quand même il a une batterie 7000 alors que l'autre il a une batterie 5000. Enfin, c'est vraiment une espèce de salade dans les téléphones où ils essaient de gérer un peu le dossier. Je suis pas ultra fan quand même. Enfin bon, après, on y perd un peu ses petits. Il y aura un F541. Il faudra voir encore une fois à combien ils vont le proposer pour cette gamme-là. Ça permet vraiment d'élargir la gamme et de confirmer que le nouveau marché, il est entre 100 et 300 balles, hein, au niveau des smartphones. Après, au-dessus de ça, je vois vraiment plus l'intérêt de mettre 600, 700 ou 800 balles dans un téléphone puisque à 500, tu as un flagship déjà. Donc après, en fonction des budgets, on estime que moi, personnellement, voilà, entre 200 et 300, je peux trouver mon bonheur et ça me suffira largement. Allez, enfin, on finira avec une news puisque Redmi commence à teaser. Il y a des fuites comme quoi Redmi pourrait sortir sa prochaine smartwatch. Alors, encore une fois, vous connaissez un peu
la connivence entre Redmi et Xiaomi, puisque bah, c'était un peu la même marque. Ils sont indépendants, mais ils ont les mêmes usines, les mêmes téléphones et les rebadges. Alors en fait, une des choses qui pourrait être le plus évident, c'est qu'en fait, Redmi, au lieu de proposer ça directement sa smartwatch, pourrait utiliser la Xiaomi Mi Watch. Alors le problème de la Xiaomi Mi Watch, je l'ai reçue. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, elle tourne sur Android Wear, c'est pas mal, mais c'est une montre qui est destinée uniquement à la Chine. Et que Android Wear, eh ben, les services Google sont interdits en Chine et bloqués. Donc la montre, il faut l'installer. Installer Mi Wear, l'application Xiaomi, c'est pas mal. L'application Xiaomi te demande de mettre le Google Wear. Donc l'application Google Wear, tu la mets, ça marche pas parce que c'est interdit. Donc tu as une application Google Wear qui est dédiée pour la Chine sans les services Google. Donc là tu l'installes, la montre s'installe, mais en fonction de la version que tu as installée, la montre s'installe soit en chinois, soit en anglais. Et à savoir que je ne sais pas pourquoi, mais apparemment sur le forum de XDA, ils ont la même version, c'est que la montre ne s'installe qu'une seule fois sur un device. C'est-à-dire que si tu l'as installée une fois en chinois, tu l'as dans le cul. Voilà. Donc il faut essayer avec un autre device, avec un autre Android Wear et tout. J'ai essayé et sur un autre device, par exemple sur mon Mi Mix, j'ai réussi à l'installer en anglais. Ça a démarré, mais le problème c'est que la montre, sans les services Google, enfin une montre connectée, bah, ça reste une montre connectée pour compter les pas et tout. Pas de Gmail, pas de Gmap, pas de. Enfin, tout l'écosystème qu'on a. Alors il y a plein de trucs en équivalent chinois, mais déjà je parle pas le chinois, et Xiaomi, on a beaucoup de mal. Donc la montre, elle est complètement inexploitable en l'état. Donc du coup, il vaut mieux acheter une Huawei Fit. Donc en fait, Redmi pourrait récupérer cette montre puisqu'ils ont déjà le hardware. Bon, le software, il suffit d'installer vraiment un truc officiel ad hoc avec Google Service. Ils ont le packaging et tout. Donc la montre leur coûterait pas excessivement cher. Elle vaut 120 balles en import. Donc ils pourraient directement l'installer, la vendre sous la marque Redmi avec les services Google et tout. Et là, la montre serait vraiment parfaite. Après, est-ce qu'ils vont utiliser ça? Il y a aussi l'ambiguïté où la montre, elle ressemble mais beaucoup trop à une Apple Watch. Alors, s'ils la vendent en l'état et qu'elle ressemble beaucoup à Apple Watch, ils pourraient se taper un procès. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits Xiaomi qui ne se vendent qu'en Chine, puisque ça reste là-bas. Mais quand ils commencent à vendre en Europe, les marques commencent à leur dire « Oui, mais alors là, les brevets, les trucs. » Et ils pourraient se taper un procès. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Soit ils vont nous proposer une merde d'une gamme qu'ils ont déjà rebadgée. Soit ils font le pari de prendre la Xiaomi Mi Watch, qui est une très très bonne montre, hein, au niveau du matériel, de la qualité et tout. Mais le logiciel, c'est de la merde. Donc là, s'ils font un bon logiciel, il peut y avoir du client. Allez, on finira par une petite news en passant par la page Facebook de la marque The Blaze, puisque vous avez été nombreux à claquer de l'argent, 17€ et quelques, pour la The Blaze hybride en suivant mes conseils, alors que ça y est, j'ai déjà changé, mais c'est un peu comme ça les caprices. Donc, avoir craqué pour la The Blaze hybride, et c'était vraiment un très bon choix. Peut-être pas assez pour certains, pas assez bien pour certains, mais quand même vachement bien pour beaucoup d'autres. Vous êtes nombreux à déjà avoir complètement craqué pour la The Blaze GTS, qui est une petite montre connectée, un peu rectangulaire comme ça, qui est en promo à 17 balles. Et là, vous dites, 37 balles, elle fait complètement bien le taf et ça permettra de voir si j'en ai besoin, pas besoin et tout, je la donne, je la garde et tout. Et là, en fait, The Blaze propose une nouvelle évolution de sa Thor, ou à raison. Est-ce qu'ils ont raison de faire un Thor 6 ? Thor salé. Bon, ils vont proposer la Thor. Alors apparemment, elle sera 4G, d'accord, et elle sera sous Android, pour de vrai, voilà. Ce qu'on pensait arriver avec la GTS, parce qu'ils ont dit oui, elle va faire montre et tout, alors qu'elle fait simplement Bluetooth pour le téléphone. Là, il pourrait avoir une montre Android avec de la 4G et tout. À voir, pour l'instant, ils commencent simplement à la teaser. À voir, parce qu'ils sont partenaires avec Banggood, nous aussi, donc du coup, si elle sort, on aura déjà les précommandes, je pourrais vous donner un prix, je pourrais la demander, en attendant que je reçoive la GTS, et je vous dis ce qu'il en est. La GTS sera juste, là, j'en ai 4, 6, la 7e que j'ai à faire en retard, des montres entre 20 et 30 balles. Bon, et enfin, demain, la review du Elephone U5, alors prenez le Oukitel C21, upgradez-le et vous avez un téléphone U5. Même processeur, même batterie, plus de mémoire. Une mémoire d'éléphone, bien évidemment, avec 128 Go, des caméras mieux, carrément mieux à l'avant, carrément mieux à l'arrière aussi, un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, pas mal, et le NFC. Bien. La montre était en promo, alors elle était en vente, on est comme on en deal avec eux. Elle était à 160$, ils nous ont donné un code promo, on l'aura à 150$. Si tu la mets en euros, ça fait 127€. Donc du coup, elle est quand même il est quand même un petit peu plus cher que le C21. Mais un petit peu plus mieux aussi.
au niveau du caméra, du Touch ID qui est mieux placé, le NFC, de la mémoire et tout, plus double SIM, plus micro SD, on a vraiment les emplacements et tout. Donc c'est vraiment un upgrade qui est appréciable où tu peux te dire, ça vaut le coup peut-être de mettre 40 balles de plus, mais d'avoir un téléphone qui apporte, bah, pas à dire 40 balles de plus, mais pas mal de fonctions qui sont en plus. Vous découvrirez la vidéo demain sur GLG Review. Si t'as pas GLG sur YouTube, t'abonnes aux deux chaînes. Allez, on finira cette semaine avec les films et séries télé. J'ai regardé sur Netflix depuis mercredi Enola Holmes, ou Alone, si tu mélanges les lettres, comme elle le dit si bien. J'étais parti trop motivé. Alors, bien évidemment, c'est très teenager, hein, parce que, en théorie, sauf l'actrice, elle a 16 ans dedans, avec le marquis de... elle est jeune aussi, c'est de l'aventure, de l'enquête et tout, mais c'est très teenager. Peut-être un peu trop teenager pour moi, donc du coup, ça m'a un peu saoulé, même si on voit Sherlock Holmes, les deux frères et tout. Moi, je suis un peu bloqué en ce moment sur la série, la dernière série avec Benedict, je sais pas quoi... un Avenger, où voilà, là on connaît bien les deux personnages et la sœur qui arrive méchante et tout. Là on est vraiment sur un truc très très teenager, c'est bien fait, c'est bien filmé, l'histoire est pas trop mal, même si le film dure 2h03 quand même. Ça tient la route, mais c'est chiant lit parce que c'est très teenager et on peut ne pas accrocher. Voilà, un petit peu déçu, mais je m'y attendais un petit peu quand même déjà, donc c'est pas très grave. Et enfin, on finira par contre là avec la grosse surprise, est disponible sur Canal+, ou Canal+ Replay, je sais pas comment ça marche, où. Pour nous, on a Internet, et bien évidemment, mon abonnement Canal+ Torrent. Engrenage, saison 8, ah, enfin. Voilà, moi j'aime bien, parce que déjà, c'est des séries françaises, les acteurs sont super bons, en plus ça se passe à Paris et tout, voilà, on voit la France, les voitures, les acteurs, ça parle français, quand ils envoient des SMS, c'est marqué en français et tout, ça j'aime beaucoup. En plus, il y a Cool Chain dedans, pour une fois dans celle-là. Franchement, c'est pas mal, j'ai regardé un épisode hier avant d'aller courir, voilà, après en revenant, donc j'ai fini mon premier épisode, du coup j'ai enchaîné sur le deuxième, putain, c'est bien. Elle a toujours été bien cette série Engrenage et tout, de la saison 1 à maintenant la saison 8, apparemment c'est la saison finale. C'est vraiment le, voilà, c'est le petit coup de cœur de la semaine et tout, c'est Engrenage, c'est bien. Action policière, enquête, rebondissement et tout, c'est pas mal, ça se tient, c'est cohérent et tout. Voilà, pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux. S'il y a des sorties aujourd'hui que j'ai loupées, n'hésitez pas, comme beaucoup l'ont fait, à m'envoyer des emails ou à m'écrire sur Tipeee ou en mettant commentaire. Puis du coup, bah, je m'y intéresse, je regarde et puis je vous dis... Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, dernier zap de la semaine, on se retrouve pas dimanche pour le live en Tipeee, parce que c'est, on a dit c'est un dimanche sur deux, on se retrouvera par contre mardi pour le zap de l'I2 High Tech, donc là, peut-être le dernier en format du mardi, on se retrouvera mercredi sur Tipeee pour le nouveau format, un petit peu, ce sera un petit peu satirique, hein, voilà, en mode on essaiera de garder le même format, en espérant que la caméra remarche, parce que sinon ça va être un peu chiant à monter. On se retrouvera ensuite tous les vendredis, au moins tous les vendredis au mois d'octobre pour le zap de l'I2 High Tech. Et ensuite, bah, du coup, dimanche prochain pour le live sur Tipeee et tous les 15 jours, etc., etc. Voilà. Si tu veux plus d'informations, tu peux aller sur Tipeee, tu cliques sur News, enfin, tu cliques sur le lien en bas, tu vas sur News, tu as toutes les infos. J'essaierai de vous tenir un peu au courant de ma vie, des produits, de comment ça a évolué les choses, mais uniquement sur Tipeee. Ça sera plus du tout en public maintenant. Voilà. Parce que c'est un peu la raison. Donc, en public, vous aurez le zap tous les vendredis et les reviews sur GLG Review sur mon autre chaîne. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Et bien forcément, demain, beau week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci d'être passé. Bye bye. Ah, bon, allez, c'est parti. Putain, on va être obligé de faire de la synchro et tout, quelle misère. Ah, je vous raconte ma vie, parce que du coup, ce sera la fin. En fait, j'ai fait la mise à jour macOS Catalina, dernière version, trop bien, stable et tout. Et c'est stable mes couilles, parce que du coup, la webcam ne fonctionne plus. Il dit, dans les paramètres de sécurité, elle n'est pas activée, j'ai tout activé, ça ne marche pas. Donc forcément, la mise à jour est tombée cette nuit, mise à jour ce matin, le correctif tombera demain ou après-demain. Donc là, du coup, j'enregistre avec la caméra Sony et je ferai une incrustation. Alors, je crois qu'on peut mettre le fond vert quand même avec la caméra Sony. Donc je mettrai la caméra Sony, fond vert, je ferai une incrustation dans un premier plan et après dans l'autre plan, je crois que je pourrais l'intégrer directement en haut. Je vais bricoler un truc. Normalement, en qualité, vous devriez gagner. Alors, je vais pas filmer en 4K, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais en qualité, en théorie, vous devriez y gagner un petit peu. Pour me voir, moi, belle, voilà. Chut. Dit-il. Pfff, quelle galère, hein, putain. Pfff, je te jure. Allez, 1, 2, 3.